score est lourd. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, franchement, je vous dirais, là, le score, on s'en fout complètement. Ouais. Ce qui compte, c'est notre gardienne. Ouais, on est inquiet pour elle et le reste, ça semble anecdotique, du coup, même si effectivement, ça a été un tournant du match. Sa blessure et sa sortie, voilà. Je pense que c'est toujours le genre d'événement qui fait du mal à une équipe et on espère que ce sera moins grave que prévu pour qu'elle ne soit pas handicapée trop longtemps et que l'équipe, je dirais, puisse se passer d'elle le moins longtemps possible. On peut avoir des nouvelles de la gardienne là, et par, à l'hôpital? Là, elle est en train d'être examinée et après, elle va partir à l'hôpital. Pour l'instant, j'ai pas plus d'éléments. C'est ce que j'allais voir, mais pour l'instant, je n'en ai pas plus non plus. Donc, je ne saurais pas vous en dire plus. Vous revenez sur le match, une bonne première mi-temps. C'est peut-être là aussi que l'équipe a loupé le coche finalement, cette bonne passe. Ouais. C'est vrai qu'on a abusé de ballons aériens qui n'étaient pas forcément peut-être notre fort, ou en tout cas sur ce terrain-là, avec le temps qu'il y avait, il aurait peut-être plus favorisé des centres au sol qu'on vient de couper. Malheureusement, on n'a pas toujours fait les bons choix. Le contenu, malgré tout, de la première période restait intéressant et ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir un résultat aussi large à la fin. Merci beaucoup. Merci.